toi! On se retrouve aujourd'hui pour faire le maquillage du Joker de Suicide Squad. Donc je commence par mettre une bombe verte dans mes cheveux car le Joker a les cheveux verts. Moi j'ai décidé de faire ça comme ça, de ne pas acheter une perruque parce que je trouve ça plus pratique comme ça et ça coûte moins cher. Donc voilà, et après vous lavez les cheveux et ça part très bien. Donc là je suis en train de plaquer mes sourcils car le Joker n'a pas de sourcils. Et donc là en fait je les plaque avec ma base à mascara. Ça fonctionne très bien. Donc d'abord j'en mets bien dans tous les poils et ensuite je plaque bien avec mon doigt. Et ensuite je vais les fixer avec de la poudre pour que ça ne bouge plus. Alors là je vais mettre du fard à gras blanc. Et ensuite vous allez voir, je vais rajouter un petit peu de fond de teint pour avoir plus facile à l'étaler. Et là voilà, là je rajoute un petit peu de fond de teint. Et puis parce que je trouvais que ça faisait un peu trop blanc quand même. Donc là j'en ai mis bien partout sur mon visage et je suis descendue jusqu'aux avant-bras et au buste. Et je poudre bien tout. Et je vous conseille de poudrer énormément car le fard gras blanc, ben, c'est gras. Donc là je prends cette teinte de la palette de chez Huda et de chez Kat Von D pour commencer à maquiller mes yeux. Donc les yeux du Joker, on les renfonce dans leur orbite. Et c'est une teinte assez mauve comme ça qu'il a sur le contour des yeux. Donc j'ai essayé de refaire la même chose. Je vous conseille de prendre une photo de référence. Donc vous tapez Joker Suicide Squad maquillage par exemple sur Google. Et vous prenez une photo bah, où on voit bien comment il est maquillé. Pour essayer de reproduire ou plus la même chose. Donc ensuite je fais le ras de cils inférieur toujours avec la même teinte. Ensuite, je vais passer aux lèvres. Donc, j'ai mélangé deux teintes de deux rouges à lèvres différents car je ne trouvais pas la teinte que je voulais. Alors là, j'applique le rouge à lèvres du coup avec un pinceau comme j'ai fait un mélange. Je l'applique bien en haut et en bas. Et ensuite je tapote pour étaler en fait le rouge à lèvres. Et voilà ce que ça donne. Ensuite je vais faire les espèces de petites veines, de petites cicatrices, je sais pas trop qu'il a sur le contour des yeux. Encore une fois, j'ai pris une photo de référence et j'ai vraiment essayé de reproduire au mieux. Donc j'estompe avec mon doigt et ensuite j'estompe avec un pinceau. Et ensuite je passe à la cicatrice qu'il a le long de l'œil et de la joue. Et ensuite au jet qu'il a sur la joue. Et ensuite, je fais le tatouage qu'il a sur le front où c'est écrit Demi-Jet. Excusez-moi pour mon magnifique accent anglais. Et ensuite, là, je vais m'atteler à tous les tatouages qu'il a sur le corps. Donc, en fait, au début, je m'étais dit que j'allais faire ça avec un crayon rose pour commencer à marquer. Et puis, en fait, je me suis dit non, j'allais y aller directement au noir et que. Voilà, donc je vous conseille si vous avez jamais dessiné de faire ça d'abord sur du papier parce que se faire ça sur soi-même c'est un peu difficile. Donc encore une fois je prends ma photo de référence et j'essaye vraiment de reproduire au mieux. Donc là je fais les cartes. J'ai laissé un maximum pour que vous puissiez voir au max comment j'ai fait. Donc là je fais les haha, donc ce n'est pas le plus compliqué hein. De plusieurs tailles différentes. Et alors là je m'attelle au plus compliqué
Il a une espèce de clown. Je sais pas si on peut. Non, c'est pas un clown. Enfin. Je sais plus comment ça s'appelle là, sur le haut du torse. Je vous ai laissé un maximum la vidéo de quand je faisais ça pour que vous voyez comment je fais. Et en fait, je le construis vraiment petit à petit avec vraiment l'image. Là, j'ai vraiment zoomé sur cette partie du tatouage pour pouvoir avoir vraiment la meilleure vécu possible. Encore une fois, si vous avez jamais dessiné de votre fille, prenez une feuille en papier et faites-le d'abord sur une feuille en papier. Au moins, vous serez entraîné un petit peu avant de le faire sur vous ou sur quelqu'un d'autre. À mon avis, sur quelqu'un d'autre, ça doit être plus facile. Ensuite, donc je fais le gant du Joker, donc je peins ma main en mauve. Vous pouvez ou faire comme ça ou acheter un gant mauve. Moi, j'ai décidé de me peindre la main en mauve. Si vous faites comme moi, pensez à vraiment plier les doigts pour faire dans tous les petits interstices, faire les ongles aussi. Donc voilà ce que ça donne quand toute la main est peinte. Et donc, j'ai fait un truc très droit puisque c'est censé être un gant. Et là, je vous montre. Comment j'ai fait la bouche. Je vous ai pas montré en détail comment j'ai fait parce que je voyais pas comment faire. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous laisse avec le résultat.